Je crois que vous faites déjà, enfin les deux doctorantes qui mènent cette interview font déjà beaucoup en permettant d'aborder ce sujet, de l'aborder bien sûr d'un point de vue intellectuel, théorique, mais aussi, je pense, en invitant des personnes qui ont de l'expérience. Parce que je crois que dans ce domaine, c'est vrai que de pouvoir transmettre ce que l'on a soi-même vécu, ce que l'on a, c'est important pour ce que j'appelle cette diffusion de la culture du soin, la culture palliative en ce qui me concerne. C'est la culture palliative qui m'intéresse parce que je crois qu'aujourd'hui, elle fait défaut. Elle fait défaut dans la société, mais elle fait terriblement défaut dans le monde dans le monde hospitalier, dans le monde du soin. Donc, je crois que ce que vous faites, c'est-à-dire rassembler des personnes qui viennent écouter, qui échangent, je crois que c'est très important. Merci beaucoup.